cooking, kissing. When I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss him. If you want some love tonight, just let me know. Okay. Allez, va t'habiller. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est, je me crois dimanche tous les jours en ce moment. On est jeudi, donc c'est le lendemain du vlog que vous avez vu avant. Je me suis fait du vernis aujourd'hui, parce que du coup maintenant que j'ai une super lime et que j'ai les ongles super longs surtout, je me suis mis du vernis. C'est aussi un vernis spécial fait. En règle générale, je suis pas sûre de porter cette couleur tous les jours. Vous la voyez pas de la bonne couleur. Je vous montrerai ça à un autre moment, peut-être que vous verrez mieux la couleur. Bref, on s'est levé, on a déjeuné, on a bien mangé, on a déjeuné en famille pour une fois. On s'est levé, il devait être 9h30. Là il est 11h moins le quart, je suis encore en pyjama, enfin tout le monde est encore en pyjama, je suis encore devant la console. Moi je me prépare, j'ai demandé à Nolan de s'habiller aussi parce que, ah vous me voyez même pas, je suis à contre-jour. Parce que on va aller tester sa voiture téléguidée qu'il a eu hier. Ah là vous voyez à peu près la couleur, à peu près. C'est un rose... C'est un rose qui tire un peu vers le rouge, mais c'est pas tout à fait la couleur. C'est pas tout, c'est... Je sais pas comment. Bref, vous verrez ça plus tard. Donc on va aller tester sa voiture téléguidée. Déjà, il faut que j'arrive à comprendre comment elle fonctionne, parce que celle de Matisse, donc qui, je rappelle, a eu la même à son anniversaire. Ça a été très compliqué de la mettre en marche, même pas sûr qu'on ait réussi vraiment entièrement à la mettre en fonction. Donc on veut le faire quand même correctement pour Nolan cette fois-ci. Du coup, bah voilà, je vais me préparer, on va se mettre des affaires assez confortables puisqu'on va aller dehors en fait sur le parking pour pouvoir la tester. Et voilà, la journée va être assez, assez tranquille, même si on va bouger un petit peu. Normalement, on doit aller, on ira sûrement cet après-midi, hop là, on ira sûrement cet après-midi... de nouveau à Intermarché et à la parapharmacie. Je dois aller acheter du produit anti-puce parce qu'on a remarqué que Nitro avait des puces et que Fiji se grattait un peu, donc on soupçonne très 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 fortement qu'il en est aussi. Donc bon, on va nettoyer toute la maison, refaire toute la maison, donc pour ça il me faut des produits. Et à Intermarché on a des piles à acheter parce qu'enfin Nolan a eu un truc alien, je sais pas, je vous l'ai montré hier. Je sais pas si je vous l'ai montré d'ailleurs, non je pense pas. J'essaierai de vous mettre une photo là si j'y arrive. Donc c'est ce qu'il a eu à Noël, j'ai pris des piles à Action, sauf que c'est pas les bonnes. Donc il faut que j'aille, qu'on aille en chercher pour qu'il puisse y jouer. Et voilà, je pense que celui qui a envie d'y jouer le plus, je pense que c'est Chouchou, donc on va y aller quand même assez rapidement. Et voilà, ma foi, voilà, rien de particulier aujourd'hui. Ce soir on est chez mes parents du coup pour le repas de Noël et pour l'ouverture de nos autres cadeaux. Je filmerai peut-être un petit peu, mais pas énormément, hein, vous commencez à me connaître. Je suis pas encore très très à l'aise avec les gens, même si c'est ma maman et même si c'est mon petit frère. Des fois où je suis pas forcément très très à l'aise, mais bon, on verra bien. On verra bien, on improvisera. Donc voilà, je vous laisse, je vais m'habiller et on se retrouve avec la voiture téléguidée de Nolan. T'as dit virage? Non, j'ai pas dit virage. J'ai fait wing et après wing. Et ben voilà, ben ça a tourné. Et pourquoi tu me la transpasses? Allez, vas-y, refais. Mais en marche avant. Sors-toi de là. T'écoute plus. Pas sur les voitures. Hein. Bébé, oublie pas de la faire tourner quand elle arrive vers les voitures.
bouger. Mais oui. Eh ben stop, dis-lui stop. 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 Vas-y. Vas-y, go. Youpla. Bon, ça y est, Nolan a enfin compris comment ça fonctionnait. C'est pas évident au début, hein. On était resté sur les commandes vocales. Finalement, en fait, c'est vraiment au bouton que ça fonctionne mieux. Et Nolan a compris comment la guider, donc c'est plutôt cool. Il s'éclate. Voilà, on s'éclate. On attend que le temps passe comme ça. Chouchou doit normalement nous rejoindre. Je sais pas trop s'il va venir de suite ou pas. Et Nolan, bah, du coup, il est là-bas. Il s'éclate, il joue. Des allées, des retours, des tours de rond-point. Des fois, la voiture, elle tourne sur elle-même. Il est content. C'est le principal, c'est qu'il s'amuse. C'était fait pour ça. Il y a même une fois où la voiture, elle ne l'obéissait plus. Elle lui est passée sous les jambes. Elle s'est garée. Ah bah là, elle s'en va toute seule. Mais des fois, on sait pas pourquoi elle s'arrête toute seule. Elle s'en va toute seule. Du coup, Nolan est obligé de lui courir après. Le problème, c'est que je pense que quand on bouge la montre, elle tourne aussi en même temps. Enfin, elle fait... elle obéit à la montre aussi. Ce qui fait que du coup, des fois quand il court, il a fait bouger dans tous les sens. Donc il est obligé de lui aussi de suivre la voiture qui tourne aussi un petit peu dans tous les sens. Donc c'est rigolo. Qu'est-ce que tu fais, Nounoun? Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que la petite voiture a quelque chose à m'amener. Je crois qu'il a mis quelque chose dans la voiture pour me l'amener. Oh merci mon amour. Merci mon cœur. On peut ramener des trucs dedans. C'est trop cool. Ouais. Merci, c'est pour maman. Ouais. C'est gentil. T'es vraiment gentil mon chéri. Attends. Maintenant s'il y a quelqu'un qui passe, je lui mets un trèfle à quatre feuilles si on trouve un. Ah bon? Ouais. On va là-bas. Je vais là-bas? Ouais. Ok. Tu m'amènes celle-là aussi en même temps? Ouais. Tiens, amène-moi les deux. Bon, je repars. Mes fleurs, elles s'en vont. Bonjour. Ah, elle met le clignotant et tout. Accident. Elle a pas fait d'accident. Petite marche arrière. Ah, elle repart. Elle en fait qu'à sa tête. Ah, par là. Merci. Bon, je vous reprends beaucoup plus tard. Enfin, beaucoup plus tard, pas si tard que ça, mais quand même. Chouchou devait nous rejoindre dehors, finalement. J'ai fini par céder et rentrer. Il m'a dit, je prends ma douche et j'arrive. Finalement, 20 minutes après, je le voyais pas revenir. Donc, je me suis dit, bon, on va rentrer. Donc, on est rentré. Et oui, tu peux le prendre, chérie. Et bah, bizarrement, Chouchou s'est pris d'une envie soudaine de réparer la machine à laver qui était à moitié cassée. Et donc, on a réparé la machine. Là, Chouchou est parti à la douche. Et du coup moi en attendant je vais aller avec Nolan à Intermarché et je sais plus où d'ailleurs. Ah oui, à Intermarché et à la parapharmacie. Et comme ça Chouchou quand il sera prêt on mettra les trucs en route. Enfin les, comment s'appelle ça, les diffuseurs, les je connais plus le nom, si j'arrive à le retrouver je vous le mettrai là. Bref, les espèces de trucs pour nettoyer la maison, enfin en tout cas tuer toutes les puces qui pourraient traîner dans la maison, qui se seraient installées dans la maison. Et pendant que ça se fera, pardon, nous on ira faire un petit tour chez Action de nouveau. On va chez Action. On y va en fait parce que Chouchou va installer un rideau de douche. Et on a un rideau, on a la tringle, mais il nous manque les petits anneaux, vous savez, qui nous permettent d'accrocher le rideau ou la tringle. Donc on va voir s'il y en a là-bas. Et j'ai un feu qui ne marche plus sur ma voiture. Et j'en ai vu, la dernière fois que j'y suis allée, j'ai pris la photo pour Chouchou. Il m'a dit que ça y ressemblait pas mal.
Donc ben, on va voir si, si ça correspond à ce que j'ai dans ma voiture. Si ça correspond, ben, on ira les prendre là-bas. Sachant que j'ai vu le prix, c'était 4,49€. Je crois que dans les concessions et tout ça, ça doit coûter aux alentours de 10€ l'ampoule. Donc voilà, comme ça pour le coup on fera la recharge et on fera le nettoyage. Enfin le nettoyage. On rangera les... On remettra la voiture à neuf quoi. Voilà, bref. J'ai encore du linge à plier. Ça j'essaierai de le faire, pas ce soir mais peut-être demain matin. Parce que bah, la journée va passer très vite. Après il va falloir aller chercher Léa à 6h et du coup partir du coup chez ma mère. Donc je pense pas avoir le temps sérieusement de le faire. Mais voilà, ça va aller je pense assez vite. Hier j'ai fait deux machines. Ça m'a pris une demi-heure, le temps de tout ranger, c'était fini, il n'y avait, plus rien à faire. Donc je me dis que là, deux machines c'est pareil, ça va me prendre une petite demi-heure. Je peux largement le faire demain matin au réveil, ça m'occupera. Et puis après ça me permettra d'avoir ma dernière journée de repos, de libre. Voilà, donc voilà le programme. Nolan est en, j'allais dire en pyjama, pas du tout. Il est habillé, il vient de mettre son manteau d'ailleurs. Mon petit chaton, à chaque fois je te le dis, ça doit te gêner à force. Hein. Tu as la capuche qui est là. Ça te gêne pas dans ton dos quand tu mets la capuche comme ça? Si, mais oui, tu m'étonnes. Allez, on y va? On va chercher les piles pour ton jeu? Oui. Comment? Oui. Ah bon. Bon allez, on y va, on enferme le chouchou dans la maison et on se casse chercher les piles. Bon, les animaux, c'est ok, le traitement de la maison, c'est ok. Du coup, j'ai pas été Intermarché parce qu'on a réfléchi après. En fait, juste avant de partir, Chouchou m'a dit, mais pourquoi on prend pas les piles à Action aussi? Donc, on va chez Action, on s'est juste occupé des animaux cet après-midi, enfin ce matin, début d'après-midi. Et là, j'attends Chouchou qui est parti chercher le modèle de l'ampoule de la voiture que j'ai oublié dans le salon. Et après, on file à Action. Et voilà, la journée va se passer tranquillou, je pense. Hein. On n'a pas prévu de faire grand chose à part voilà, faire un petit tour à Action. On va peut-être aller se promener à droite à gauche, mais ça m'étonnerait fortement. Je vais voir ce que je peux essayer de filmer parce que c'est vrai que c'est un peu des challenges pour moi de filmer à l'extérieur. Vous savez que je ne suis pas forcément très à l'aise. Là qu'il y a Chouchou, peut-être que je filmerai dans Action, mais il est tellement disposé d'une façon que c'est compliqué de filmer sans être vu. Je pense que c'est aussi pour éviter les vols qu'ils ont mis le rayon comme ça. Donc voilà, je comprends, mais c'est très gênant de devoir filmer comme ça. Parce qu'ils ont des caméras. Oui, je sais qu'ils ont des caméras, mon chéri. Heureusement qu'ils ont des caméras pour éviter les vols. Il y avait un monsieur qui passait à la porte. Bon, bref. Et en fait, je l'ai vu passer. Ouais. À l'écran. Ah oui, ok. Bon, bref, Chouchou arrive, donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Non, c'est bon. Si tu dis rien, si tu chat, je sais pas, si vous me coupez pas la parole, ça peut être très très rapide. D'accord? Bon. Alors, on vient de sortir de chez Action, je fais ça dans la voiture, je fais le petit retour de... le petit haul Action dans la voiture parce que on va directement à Jiffy parce qu'on n'a pas trouvé ce qu'on voulait à Action, enfin on a trouvé quelques trucs, mais il nous manque le principal, donc on va chez Jiffy vite fait, et après on va directement chez les parents de Chouchou, donc j'aurai pas le temps de faire mon haul, sachant qu'après il faut aller chercher Léa et qu'après on repart chez les parents. Donc voilà, donc on a fait 26,76€ de course chez Action. On a acheté plein de merde, attention mon chéri, regarde devant. Donc on est allé quand même pour une principale, pour la chose principale, c'était ça tombe, pour des piles. Donc ça coûtait 1,69€ et j'en ai pris 3. Hop, le troisième il est là, comme ça au moins on a une petite réserve. De toute façon je sais même pas ce que ça vaut, en plus la marque c'est une alcaline, donc je pense que ça va pas être non plus trop pourri. Mais comme ça au moins on aura une réserve, sachant que les piles ça part à une allure folle avec les, entre les jeux des petits et les jeux de monsieur, enfin ces jeux de Xbox et tout ça. Quoi que c'est pas ces piles là, c'est vrai. Ensuite on est allé pour... Attends mon chéri. Ça c'est donc les fameuses ampoules que j'avais vues à Action. Et encore c'est pas celle-ci que j'avais vue réellement parce que... Alors attendez, je vous montre les deux. Je vais pas réussir à les attraper. Dépêche-toi, on est arrivé. Arrête, je vais paniquer là. Genre là-bas j'avais vu ça, c'était un petit boîtier, donc c'est une marque Philips quand même. Et c'est ce qui, c'est tout à fait ce qu'il faut pour ma voiture en fait. Donc j'avais dit à Chouchou, bah, au lieu de les payer 10€, on les achètera 3€ et les poussières. Mais finalement ça coûte quand même... Ça. Oui, je sais que c'est pour ta voiture chérie. Ah oui. Finalement ça coûte quand même 7,95€. C'est toujours moins cher parce que c'était pas celle-ci que j'avais vu à la base je crois. Donc ça, 7,95€, donc si toutefois vous cherchez des ampoules, vous n'avez pas envie d'aller chez Dorothon comme ça. Oui, ouais, mais... ça vaut rien pareil. Non, mais
C'est du Philips quand même, hein. Ouais, c'est du Philips. C'est une étiquette, quoi. Bref, c'est une étiquette. Bref, donc voilà, donc ça, j'étais partie pour ça à la base. Donc finalement, on a trouvé ça. Donc ça, c'est pour Chouchou, en fait. C'est un petit boîtier pour Chouchou, parce que Chouchou, je suis pas sûre qu'il en ait un dans sa voiture. Moi, j'en ai un déjà dans ma voiture, donc tant mieux. Et après, du coup, on s'est pris deux blocs comme ça. Et ceux-là, c'est... Alors, on n'est pas trop sûr, donc on en a pris deux, mais c'est pas dit qu'on n'en ramène pas un. Puisque... Enfin, ou les deux, remarque. Puisque ça, c'est des phares qui sont... C'est exactement ce qu'ils font pour notre voiture. Xénon. Mais voilà, c'est imitation xénon. Et donc, du coup, ça fait une lumière bleue. Donc, on verra ce que ça donne. Je sais pas, ça fait une lumière bleue. Chouchou, j'irai tout seul, hein, d'accord? Où? Là. Non, allez. Chut, on arrive à Jiffy, là. C'est pour ça que je suis en train de... Ah! Tu fais exprès de monsieur le gros derrière. Et puis. Tu parles. Bref, donc les fameuses ampoules, je ne vois pas de qui tu parles. J'ai le. Mais on dépêche le tour là. Putain, je me demande comment il a eu son permis de conduire lui. Ouais. Tu fais exprès de me secouer. Tu pourrais d'aller dans ma voiture, quoi. Bref, donc on a pris ces fameuses ampoules. Ces fameuses ampoules. Oh là là, fallait que je fasse le ticket. Elles ont coûté. Non. Elles ont coûté 3,99€ donc le bloc, quand même, 2 ampoules. Non, vas-y, allez, 2 ampoules pour 3,99€. Allez, le bloc, ouais. C'est fait. Donne, ça c'est voilà. Fait. On en a acheté deux. Voilà. Non, moi je vais te faire le truc en 2-2. Hey, non. On nous a repris ça. Ça c'est pour nettoyer la voiture, ça vaut. Attends, mais montre-le au moins. Putain, oui. C'est quoi ça? Voilà. Éponge magique. C'est pour nettoyer les plastiques. Allez, de la 65 voiture. Centimes. Ouh. Oui, mais ne me coupe pas la parole, tu m'agaces. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a acheté? Un bloc-notes. Bloc-notes. Bah, billet pas écrit. Si. Mini planchette à pince. Allez, 1,38€. On en a pris 60, deux. 69 centimes chacune. Donc, j'en ai pris une pour Léa et une pour moi. Et okay. Pour moi aussi. Un ballon pour gonfler. On a pris un ballon pour Nolan parce qu'on n'a pas elle, trouvé ça. Elle a dit ans. Qu'elle allait le gonfler à la bouche. Croyez-moi, il y aura une vidéo dessus. Je vais essayer de le gonfler ce soir. 49 centimes. Allez, on passe. 49 centimes, bon. J'ai pas trouvé le numéro 6. Un allume-cigare, un allume. Un allume-gaz, c'est quoi c'est. Le doigt dessus, 89 centimes. Ça c'est parce que l'autre il était pourri. 49 centimes. Allez, voilà, c'est fait. Le retour de course c'est fait. Non, c'est pas fait. C'est pas fini. Les ça. Petits fluo pour Nolan. Avec un petit. Mini marqueur, 1€, 99 centimes. Avec un petit truc de post-it. Allez. Oh, il me fatigue à tout expédier là comme ça. C'est fait, hein. Bon, allez, c'est posé. Non, c'est pas fini. On en a encore. Quand il y en a plus, ouais, il y en a encore. On a pris une bombe, ça c'est pareil, c'est pour nettoyer le cockpit Nolan, pour nettoyer l'intérieur de la voiture. Donc on a pris une petite bombe comme ça, on verra, on testera la mousse et ça. 1,36€. Ça c'est ce chouchou. 1,36€. C'est allez. Chouchou qui a choisi. C'est bon. Voilà, donc tout ça, ça on s'appelle, coûté... on fait nous bouffer, ciao, bye bye. Allez. Tout ça, ça nous a coûté 26,76€. Arrête un peu, tu me fatigues à gueuler comme ça et à toujours expédier, à couper la parole. Bref, allez, on va faire un tour à Jiffy. Ah bon. Ça me fatigue les deux là. Allez, let's go. Ça y est, on a trouvé nos crochets pour la salle de bain. Chouchou est content de pouvoir mettre un rideau de douche. Et voilà, un idiot. Non, pas mon frère, sûrement pas. Non. Et Chouchou s'est pris un petit. Tu peux mettre ta ceinture, oui, s'il te plaît. Incessamment sous peu là, immédiatement. Non, tout de suite. On a pris des petits œufs au plat pour Chouchou. Je vous rappelle, merci, que c'est ses bonbons préférés et que j'en ai acheté à la maison. Ça fait 3 jours qu'on essaie. Non, pas 3 jours, 2 jours. Oui. Ça fait 2 jours que j'essaie de lui donner, mais à chaque fois, on est toujours au mauvais endroit. Oui, enfin, ils sont toujours au mauvais endroit, ce qui fait que, eh bien, à chaque fois, on les rate. Ouais. Bref, voilà. Du coup, ça en est pris comme ça, il les a sur place cette fois-ci. Donné, là, les gars, Mon chouchou répareur. Aujourd'hui, il a tout réparé. La machine à laver. Là, il me répare mes feux. C'est mon héros du jour. Ah, con. Chut, pas de gros mots, chérie. Ça, c'est quand on est à réparateur du dimanche, on a besoin des sommaires. Des... C'est pas ça, on sait jamais. J'ai pas envie de te péter, j'ai pas envie de payer un. T'as raison, mon chéri, t'as raison. Je suis d'accord avec toi. Je préfère que tu lises la notice plutôt que tu me casses mes feux. Bref. Voilà, Chouchou va faire ça, il va changer ça maintenant. Comme ça, c'est ce soir, quand on va rentrer chez mes parents, on verra si ça éclaire mieux que ce qu'on a d'habitude ou pas. Et si c'est le cas, ben Chouchou il changera les siens du coup. Et il gardera les autres en réserve au cas où. Et ça fonctionne! Des deux côtés! Trop cool! Chérie, tu es mon héros. Ouais. Tu sais ça que tu es mon héros?